Alexia Rétini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un vlog en fait parce que je suis à Paris et j'ai envie de vous filmer ma journée. Mais en fait si vous voulez, je suis à Paris depuis je suis à ma petite soeur Cynthia en fait. Donc on est à Paris depuis mercredi, mais j'ai pas eu le temps de vous... c'était très chargé, j'ai pas eu le temps de vlogger. Mais aujourd'hui ben, j'en profite, je vais vous amener avec moi. Là je suis en train d'aller chez Aromazon pour faire quelques achats. Mais on est à Paris en fait pour une conférence. Tu peux leur dire un peu plus ce que nous faisons? Non. elle refuse de parler, la fille. Oh là là, franchement. En fait, nous sommes venus passer un mardi dans la présence de Dieu et lever nos voix, quoi. Donc les enseignements que, les pasteurs nous produisent vraiment sont ouf. Tu sens que vraiment tu dois changer de camp, abandonner les choses mondaines et vraiment renoncer à toi-même, mourir pour lui. Quoi. Amen. Donc voilà, donc en fait vous l'avez compris, c'est une conférence chrétienne. Elle s'étendait sur 5 jours, ça finit demain et c'est vraiment vraiment intense. Les orateurs que nous avons eus, c'est un truc de ouf quoi. Je dis, limitations seront brises. I declare limitations will be broken. Je déclare que les limitations seront prises. If you believe it, shout si yes. Si vous le croyez, criez oui. Say yes. Criez oui. Yes. Oui. Je pense que je vais poster cette vidéo après. Je dois passer au métro, je vous reprends tout de suite. Et on a trouvé à Aromazon. J'ai eu un peu de mal à trouver, mais voilà. Je suis contente, on y est. Donc c'est bien la rue de l'école de médecine, au niveau... normalement c'est 25 sur le site, mais là c'est 27. Alors là, on a dévalisé Aromazon. On a pris plein de trucs. Je vais en profiter parce que c'est l'occasion d'apprendre ma petite soeur à faire ses compositions elle-même et aussi vraiment de constituer sa petite pharmacie de produits capillaires, si je peux le dire comme ça. Donc voilà, je ne me suis pas privée, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin. En fait, la conférence au palais des congrès de Montreuil. Là, nous sommes arrivés tard, on est bien dans le son. Et là, vous avez les différents stocks et les différents menus. Vraiment bien organisé parce que du coup, on n'a même pas besoin d'aller à l'extérieur. Finalement, nous avons pris la même chose dans le poulet avec la loco, les bananes plantain. Alors, je vous explique. La fille, elle ne peut pas que la fille parce qu'elle me dit son rouge à lèvres est trop moche à la caméra. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, elle me dit j'ai bien les boucles d'oreilles rouges. Ça fait trop moche, mais ça va, c'est mignon. Hein.
Il est temps qu'on revienne à l'amour, à aimer Dieu passionnément. Arrêtez de chanter machinalement et de venir à l'église parce qu'il faut venir, parce que le pasteur va me voir et il ne va pas me voir. Et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oui, tu fais des bonnes choses. Oui, tu accomplis des bonnes choses. Mais j'ai contre toi, c'est que tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Oui, tu m'aimes, mais tu ne m'aimes plus comme tu m'aimais. Tu ne peux jamais te permettre d'aimer Dieu en deçà d'un amour que tu lui as donné un jour. Si tu enlèves l'amour de ton ministère, ce n'est plus un ministère, ça devient un emploi, ça devient un métier. Sans Jésus, nos églises ne sont pas des églises. Sans Jésus, nos ministères ne sont pas des ministères. Et sans l'amour pour lui, pour ce que nous faisons n'est rien du tout. Donc c'est la pause avant le début de la session de 18h. Je vais vous amener voir les stands, ce qu'on a un peu dans les stands ici. Le pasteur Yvon, vous visitez un autre enseignant d'IMI. Encore Jessica. Le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur Mohamed Sanogo, c'est une bonne réponse. Si on peut acclamer le Seigneur. C'est parce qu'ils s'aiment, pas pour l'apparence de leur femme, pas pour truc, mais ils s'aiment le plus souvent. La source de leur bonheur vient de leur âme. Alors, quand ça vient de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Lorsque ton âme prend un coup, ton amour aussi prend un coup. Amen. Alors, tu vois, madame, elle était toujours soumise. La Bible dit, sois soumise à ton mari. Elle dit, chérie, je t'aime. Va à gauche, elle va à gauche. Fais, elle le fait. Mais elle fait ça tant qu'elle trouve que son mari est attentif et qu'il aime l'écouter. Parce que pourquoi elle est tombée amoureuse de lui? Quand ils étaient à l'église, le monsieur, de tous les frères, c'est lui qui l'écoutait souvent, qui prenait du temps pour elle. Et il vient, oui ma soeur, parle. Et elle pouvait s'ouvrir. Alors son âme, pas son esprit, pas l'amour de Dieu, son âme a fini par s'attacher à la personne. Et elle s'est dit, je l'aime, mais tu ne l'aimes pas. C'est un attachement de l'âme. Le jour où le monsieur, pour une raison ou pour une autre, il est trop occupé par le travail, il n'a plus le temps de t'écouter, le temps de discuter avec toi, tu vas voir que ton amour va flétrir. C'est en ce moment-là, quand il va te parler, il te dit un, tu lui dis trois.
Laquelle des oreilles est la plus difficile d'entendre? Speak to the mic. L'oreille, the right ear, l'oreille droite. How much can she hear, a little or not at all? Vous pouvez entendre un peu avec l'oreille ou rien du tout avec l'oreille droite? A little bit. Just how long bit. Ago? Ça fait combien de temps que vous avez du mal à entendre de l'oreille droite? 2 years. Two years. Ans. What's your name? Vous appelez comment? Bibiane. Father. Père. Heal Bibiane. Guéris Bibiane. You deaf spirit. Toi, esprit de surdité. By the power of the living Christ. Par la puissance du Christ qui vit. Come out. Sors. Loose. Libère-la. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Loose. Libère-la. Tell her to repeat what I say. Répétez ce qu'il dit. Amen. Amen. Put the microphone up. Amen. 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 Hold on. Please block her ear with one finger. Block son oreille avec le doigt. Block it very well. Block her ear. Block son oreille. No, no, no. Put your finger inside her ear. Mets ton doigt pour bien bloquer l'oreille. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. This ear is open. Cette oreille est ouverte. This woman is healed. Cette femme est guérie. Loose! Libère-la. Put the mic to her. Tell her to repeat what I say. Amen. 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 Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Amen. Tell her to repeat what I said. Even if my French is not good. Ah, Jésus est vivant. Ah. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh. Tell her to turn around. Vous retournez. Turn around. Oh, hold on, hold on there. Can you hear from this point Est-ce before? Est-ce que avant vous pouviez entendre d'une distance put the mic comme to ça? Her, put the mic. Non, avant je n'entendais pas. Oh, somebody give Jesus a clap offering tonight. Healing rain is coming down. Healing rain is coming down. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour conclure le vlog d'hier parce que j'ai pas eu l'occasion de conclure. On a fini très très tard et on était super 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 fatigués. J'avais vraiment pas envie de sortir mon appareil pour filmer. Mais sinon, ça s'est très très bien fini. Ici, nous sommes déjà en train de rentrer sur Bruxelles. On est à la porte de Vincennes. On attend la personne qui va nous prendre pour le covoiturage. Donc voilà, ça a été 5 jours très très intenses. Je ne vous ai pas dit, le thème de la conférence, c'était vivre Christ. Donc c'était vraiment le brisement hein, pour ressembler à Christ, pour adopter le caractère de Christ et pouvoir être rempli de sa puissance et faire les choses que lui il a faites. Et voilà. Donc celles qui sont intéressées, qui voudraient voir la conférence, je pense que sur la chaîne YouTube du pasteur Yvan, vous pouvez trouver des vidéos de la conférence. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. Je vous dis bye. Et ma petite studieuse qui lit son livre qu'elle a acheté à côté de moi. En fait, elle a acheté le livre du pasteur Yvan. Cynthia. Dis au revoir à Gabra.